Bonjour et bienvenue dans cette vidéo découverte de la bêta Diablo 3. Donc, on va tout de suite accéder au jeu. Allez, attends, j'ai pas activé les chiffres, bien sûr. Donc, on peut remarquer. J'ai un petit fond d'écran un peu comme World of Warcraft et une authentification au serveur. Donc là, c'est mon personnage niveau 9. Et je vais vous montrer comment faire un nouveau personnage. On va faire un nouveau personnage. Donc on va créer un héros. Donc dans Diablo 3, il y a 5 classes. Barbare, chasseuse de démons, moniale, féticheuse et sorcière, ou en homme, barbare, chasseur de démons, moine, féticheur et sorcier. Donc Diablo 3, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un hack and slash, donc c'est comme le prédécesseur Diablo 1 et 2, vu de haut, et on contrôle un personnage avec plusieurs pouvoirs. Donc ça, on verra au long de la vidéo. On peut voir déjà qu'est-ce que fait le sorcier. Là, on va commencer par un sorcier vu que j'ai déjà fait un moine et un barbare. Donc un sorcier, une classe assez classique. J'hésite avec le chasseur de démons en fait. Parce que vu que c'est une nouvelle classe. Mais je vais plutôt faire un sorcier comme ça. Hop, je vous montrerai. Voilà, donc je vais mettre. Hop, je crée le héros. Déjà, première chose à dire sur le jeu, les personnages comme ça en 3D qu'on voit, ils sont pas super jolis. Je trouve c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas plus gênant que ça, puisqu'après on le verra que de haut, hein, mais ça fait bizarre. C'est pas, les graphismes sont pas ultra jolis. Donc là, on peut voir aussi quand je clique sur le petit casque, tout ce que j'ai fait. Donc les points de haut fait, les victimes élites, l'or collecté, meilleur niveau extrême, victimes cumulées, etc. Donc. Par exemple, j'ai joué au barbare pendant 2h18, j'ai atteint le niveau 9 et j'ai joué sur le moine et je suis niveau 5. Donc là, on peut voir mon personnage avec ses compétences, s'il en a ou pas, et ça, qu'est-ce qu'il, tous ses attributs. Donc ça, c'est mon moine et ça, c'est mon guerrier. Donc voilà, on peut cliquer pour voir l'inventaire aussi. Ah oui, les hauts faits. Donc les hauts faits, comme dans World of Warcraft et maintenant Starcraft 2, il y a des hauts faits. Donc il débloque juste des points pour se la racler un peu devant ses potes. Moi je trouve ça pas très très utile. On peut voir aussi dans le menu, donc les options de vidéo sont, là j'ai déjà tout réglé, hein. Je suis en qualité maximale. Donc ce qui est pas mal à savoir aussi, c'est que quand le jeu est minimisé, on peut réduire les IPS, donc les images par seconde, et quand on est en plein dans le jeu, on peut les mettre à fond. Voilà, donc ça j'ai déjà fait. Retour au jeu. Donc là on va rentrer en jeu. Donc je préviens tout de suite, hein, si vous voulez pas découvrir la bêta, vous l'attendez que je sorte, ne regardez pas cette vidéo, je vais vous montrer des éléments de gameplay du jeu. Voilà, ça sera dit. Donc petit temps de chargement, hein, très court. Ça c'est un point fort du jeu. Donc comment on se déplace? À la souris, clic gauche. Hop, comme ça. Donc déjà sur l'interface, barre de vie, barre de mana ou puissance arcanique ici. Ma connexion, donc là 566 millisecondes. Donc ça c'est un très mauvais ping, hein, mais il est assez variable pendant la bêta et on a beaucoup de lag. Ça c'est un point très négatif de la bêta, c'est que souvent on lag beaucoup pendant la bêta. Et après, mes deux sorts, donc trait de baguette, tir avec baguette sur un ennemi, ok. Vous projetez un éclair arcanique sur un ennemi, ok. Donc là, on peut voir petit clic gauche, clic droit, et Q pour les potions. Après, on peut voir qu'on peut avoir des amis et pour plus les rejoindre dans des parties. Donc après, compétences S. Donc là, on peut voir toutes les compétences du jeu. Enfin, pour l'instant. Et après il y a celles qui sont bloquées, je vous les montrerai quand, avec mon barbare si vous voulez à la fin.
mon inventaire. Donc là, il est un peu plus complet que Diablo 2. Ça, c'est assez sympa, il y a plus d'objets, je trouve ça bien. Quête et journal. Oui, il y a quête et les quêtes. Donc ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai pas vraiment. Donc là aussi, on peut remarquer qu'il y avait un cadavre. J'ai cliqué dessus. Une pièce est apparue et j'ai ramassé l'or. Donc on va continuer d'avancer. Donc on peut voir, hein, c'est tout d'en haut. Et avec une slash, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout de cliquer pour phase d'attaque. Voilà. Rien de très compliqué, hein. Si vous voyez des petits lags pendant la vidéo, c'est normal, c'est le jeu pour l'instant il n'est pas très. Les serveurs ils sont pas très optimisés. Il y a pas mal de lags. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Donc clic gauche pour parler. Donc là je vous passe le dialogue, comme ça sera vous découvrir. De découvrir. Là c'est le début. Donc on clique gauche sur l'ennemi pour attaquer. Clic droit pour faire l'autre sort. Pour ça vu que j'en ai deux ça va. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. Hop, j'avance dans la quête. Donc j'arrive dans la première ville qui est la nouvelle Tristran. Et on m'a dit d'aller à l'auberge. Donc là je fais vite fait, hein, pas pour pas trop vous spoiler les quêtes, même si c'est obligé. Hein. Vous êtes Léa? Rumford. C'est vrai, j'ai couru. Attention, les blessés se transforment. Après je expliquerai un peu le pitch aussi de l'histoire quand j'ai fini cette quête de combat, c'était pour commencer direct. Et voilà, donc là je ramasse une pièce d'or en passant dessus, ça se trouve c'est sympa. Si rien n'est fait, les morts. Je m'en occupe. Merci. Voilà, bon, on va montrer les compétences, déjà je vais reprendre une nouvelle compétence. Rayon de givre, ok. J'ai appris un nouveau sort qui est le rayon de givre. Voilà, c'est ça. Bon, on peut voir que ça lag un peu. Donc, un petit pitch. En gros, dans le 1 et 2, on bat Diablo à chaque fois. Et là, il est de retour. Donc, avec le mal qui sont les zombies et plein de monstres venus de l'enfer. En gros, hein, on va faire gros. Je veux pas trop en dire plus sur l'histoire. Vous découvrirez bien assez tôt comment ça marche. Donc là on est dans la ville, donc toujours au niveau graphique, on peut voir quand même que c'est toujours pas super joli, hein. C'est pas moche, mais je trouve que c'est un peu dommage pour un jeu qui a pris quand même au moins 10 ans à être créé. Enfin ça fait 10 ans que moi je l'attends en tout cas, donc c'est une vidéo qui peut susciter beaucoup d'attentes chez certaines personnes. Et il est pas super joli, ça je trouve ça un peu dommage. Merci pour le... Surtout que les configurations ont quand même évolué, donc c'est pas comme si... Hop, voilà. Ah, lui, bah, il me gêne parce qu'il est devant. C'était une des mers de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Et là, on peut voir un objet que je peux ramasser. Il est grisé car il ne m'est pas utile. Mais je peux le prendre par exemple, là, ça me fera juste un petit peu d'équipement. Je m'appelle Descartes Kane. Donc il y a aussi des petits récits comme ça, des petits journaux qu'on ramasse. Et c'est assez sympa à écouter ça, je trouve que c'est très bien, ça donne beaucoup d'éléments de la narration. Donc ça je vous conseille de les ramasser à chaque fois. Aussi avec ce que j'ai pas expliqué, donc l'expérience. Donc là on peut voir l'expérience qui évolue, elle est pour l'instant en jaune. Je suis niveau 2 et il me manque, il faut que j'aille 2700 pour... évoluer, et je suis à 730, donc là c'est assez facile à voir, hein. Donc avec des points de sauvegarde, ça c'est voilà. Assez de puissance arcanique. Là j'ai plus de magie. Ah mince, j'ai pas le temps de vous montrer. Bon. Donc je vais me rapprocher. Les petites arbres rouges qu'on voit par terre là, c'est des PV, donc ça va vous faire gagner votre des PV quand vous en perdez. J'essaie de choper un monstre et de me faire taper. Vous allez voir, regardez, il me tape, mes PV descendent. Bon, ils sont un peu mauvais en normal, hein. En normal, le jeu est vraiment très facile.
Qu'après, bon, je vais passer dessus. Hop, et je régénère le PV. C'est un petit défaut du jeu, je trouve, pour l'instant, aussi pendant la bêta, c'est que le jeu est vraiment très facile en normal. Même le boss final m'a pas donné de soucis, et certains boss sont tellement faibles que j'ai l'impression que c'est des monstres normales. Ça, c'est un petit peu dommage pour un jeu que, comme Diablo 2 qui est quand même un petit peu plus difficile, on va dire. Enfin bon, c'est pas un gros point noir, hein, mais c'est un petit défaut de la bêta, je trouve. Donc, je vais continuer de marcher. Oui, aussi au niveau de la carte, donc on peut faire tab pour voir la carte, hop, voir où on est allé, où on n'est pas allé. À chaque fois qu'on redémarre le jeu, la carte n'est pas mise à jour, hein. On voulait recommencer à zéro car les lieux changent à chaque fois. Ça, je trouve c'est super sympa parce que ça donne un aspect très intéressant qui permet de revisiter le jeu bien après avoir fini la carte. Là, j'ai bloqué à nouveau savoir, donc je vous les montre pas, je vous laisse découvrir. Ça, c'est du gameplay. Si vous avez accès à la bêta ou quand vous aurez le jeu qui sort le 15 mai, j'ai oublié de préciser. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les fans, hein. Il sort le 15 mai, enfin on a une date sûre. Donc le 15 mai, tous ceux qui veulent rejoindre à Diablo pourront. Moi, j'ai déjà précommandé d'ailleurs. Excusez-moi, petite pause. Donc voilà, le 15 mai. Et par contre, à la sortie, il n'y aura pas les mêmes éléments qui est le PVP. Hein. Normalement, il y aura des combats en arène, du 2 contre 2, si je me rappelle bien. Et il ne sera pas implémenté directement dès la sortie du jeu. Ça, c'est aussi un petit regret de ma part. Même si ça n'empêchera rien au plaisir du jeu. Hein. Donc bon, je critique. Hein. Ceux qui aiment vont dire ouais, il dit n'importe quoi, mais je l'attends tellement le jeu que je suis assez sévère avec lui. Et j'ai bien raison, je pense, parce que quand même, quand on attend un jeu et qu'on veut qu'il soit le meilleur du monde, on préfère critiquer, hein, c'est bien mieux. Non, mais autrement, si on passe sur l'atmosphère du jeu, par exemple, elle est excellente. Hein. Là, les donjons et tout, quand je suis à l'intérieur, j'adore me mettre dedans, c'est vraiment. L'atmosphère de Diablo qui est un peu oppressante et qui fait un peu peur peut-être pour certains, si vous êtes un peu bas âge, ça peut être inquiétant pour vous. Ça, je trouve, c'est une atmosphère très très réussie, avec des morts un peu de partout. Hop là, donc là j'ai mis encore évolué. Donc j'ai appris un nouveau sort qui est la onde électrique. Donc on va essayer ce nouveau sort ensemble. Il faut savoir qu'il y a une petite recharge quand je change de sort pour pas qu'on puisse changer à la volée pendant le jeu, ce serait un peu bête. Et ils ont bien fait, ça c'est un très très bon point. Donc ça, ouais, ça donne quand même un jeu pour moi qui est très bien. Hein. Je dis le critique, mais... Je l'aime beaucoup, hein, la bêta, j'adore y jouer. Et j'attends impatiemment le jeu final. Niveau du son, je vais peut-être augmenter pour que vous écoutiez un peu et vous allez voir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est très bon. L'ambiance est vraiment excellente. Donc, le thème est plutôt léger. Hein. Là, je peux équiper une armure, ce que je vais faire tout de suite. Et je vais faire un autre petit donjon. Les donjons sont gérés aléatoirement, hein, donc vous trouvez pas à chaque fois le même donjon. Où est passé tout l'or? Ce ne sont quand même pas les morts. Il me faut toujours plus de puissance arcane.
Donc là, il y a un petit boss, comme on a pu voir, il était en violet. Si vous n'avez pas vu, mettez pause quand vous regardez la vidéo. Et comme on peut le voir, je l'ai tué très facilement. Donc c'est pour ça que je dis le jeu est vraiment trop facile. Donc je vais baisser le volume du son au cas où si on n'entend pas bien, parce que je regarderai ça au montage, mais bon, je pense que ça va être bon. Donc voilà, il y a un petit boss et pourtant je l'ai tué vraiment comme si c'était un monstre basique. Je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Donc on avance, et la vidéo se déroule, donc avec pas mal d'éléments aussi destructibles hein, dans le jeu, ça c'est assez sympa. Même si parfois ça sert pas à grand chose. Diablo en personne se promène ici. Ah, voilà le boss. Donc là, vous voyez, pareil, il a la vue en violet. Ce qui veut dire que c'est un boss. J'ai tué vraiment sans perte de PV. Voilà. Ça, c'est un petit peu dommage. Franchement, je trouve que c'est vraiment dommage. Bon, après, on verra une petite niveau de difficulté. J'espère que, comme dans Diablo 2, ça sera une continue. Quand on aura fini le jeu, on pourra débloquer un nouveau mode de difficulté. Ça, je trouve ça très bien. D'ailleurs, la semaine prochaine, hein, donc samedi prochain ou dimanche prochain, comme d'habitude, où je poste mes vidéos, hein, c'est-à-dire toujours le week-end, parce que c'est là où j'ai le temps de le faire. Et ben, je vous proposerai un petit retour en arrière sur Diablo 2. On fera une petite rétrospective de Diablo 2. Et pour ça, je essaierai de vous faire quelques vidéos Diablo 3 sur de nouveaux personnages, en même temps que je vous ferai une petite série sur Diablo 2, ce qui vous permettra de découvrir l'ancien jeu et le nouveau, comme ça vous verrez les différences. Excusez-moi, j'écris juste un message et je suis à vous. J'écris à un copain qui va jouer sur mon compte et qui veut savoir des informations, donc oui, il y a des attaques qui bug légèrement, genre sur le moine quand ça lag, vous aurez quelques soucis parce que l'attaque ne s'exécutera pas forcément correctement, voilà. Donc on va retourner à la ville car on a fini la quête. Donc, je vais pas parler des différents points qui sont gameplay. Merci pour votre aide. Elle n'a pas de raison. Donc le gameplay est vraiment très facile et vachement addictif car il fait évoluer son personnage tout au long des différents niveaux, très intéressant. Donc franchement ça c'est facile, en plus il suffit un clic sur les ennemis et double clic pour ça. Après les différents skills, donc 1 à 4 se débloquent pendant votre jeu et c'est très simple, c'est comme World of Warcraft. Par contre parfois il faut avoir un petit peu l'habitude pour pouvoir les exécuter. Donc maintenant je propose de quitter la partie et d'aller sur mon barbare. Ça, je vous montre le barbare niveau 9 qui sera un petit peu différent, bien entendu. Et on commence. Donc, toujours un petit chargement. Cet endroit empeste la mort. Et j'ai un petit compagnon. Donc, ça, c'était dans Diablo 2, on pouvait aussi le faire. Hein. Là aussi. En avant. Donc,
Et on peut voir dans mon équipement des armes non identifiées. Donc ça, j'ai pas encore su comment les identifier, donc il faut que je découvre tout ça en même temps que vous, hein, parce que je suis pas plus au courant. Je sais juste que pour l'instant, c'est super facile pour moi. Je cherche l'étoile tombée du ciel. Elle est tombée. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Il en vient de partout. Là. Où j'ai fini les quêtes, il me garde. Mais bon, c'est facile. J'ai encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. En tout cas, j'ai déjà fini le jeu, hein. Je pourrais presque vous le montrer, même si je pense pas que je puisse le faire. Il faudrait que je regarde. Ouais, d'accord, je regarde un truc. Excusez-moi. Si je mets les quêtes, est-ce que je peux les choisir? Ah oui, voilà. Donc là. Là, je peux pas changer la difficulté. Oui, donc c'est écrasé à ma progression. Donc là, je vais montrer un niveau qui est un petit peu plus avancé. Partons ensemble en quête d'honneur, mon ami. Et je vais aller dans cathédrale niveau 3. Donc la cathédrale est un endroit un petit peu plus évolué. Et donc il y aura des monstres un petit peu plus impressionnants pour ceux qui... Donc hop, c'est un petit barbare. Donc moi j'attaque avec quoi en fait mes attaques? Donc le Fandoir qui fait une attaque de zone. Et Déchirure qui fait saigner les ennemis. Et un le bon, donc ça. Deux, la chaîne qui attire les ennemis, voilà. Je ne comprends pas comment les suppôts du mal peuvent sévir en plein jour. Ne devrait-il pas craindre la lumière? Le soleil doit être mieux. Ah, par exemple, là, il y a des ennemis que vous ne connaissez absolument pas. Donc, les grands squelettes, Resurrection, les petits squelettes. Donc, il faut les taper en premier si on ne veut pas être submergé assez vite. Là je m'amuse, hein. Ok, savoir que ma quête apparemment est par là. Pour avancer plus vite, je saute avec le bon. Donc là c'est simple à gérer. Et on va essayer d'aller vite en bas. Là moi je peux sauter, mais mon allié ne peut me suivre. Donc, techniquement, hein, il me suit toujours dans tous les cas. Il faut encore. Donc là bon, je suis un peu trop élevé pour les monstres de cette zone. C'est comme il n'y a pas d'autres zones dans la vidéo. Ouais, le plus ennemi c'est ça et il fait pas très très mal. Hop là, donc eux ils explosent et lâchent des petits monstres. Ça pas très mal du tout. Et ils lâchent beaucoup d'arbres de santé, donc là franchement c'est ultra facile. Et là ça fait quoi? Donc ça c'est des petits trucs qui rajoutent vitesse d'attaque et de force pour augmenter. Ah d'accord, donc ça c'est vraiment ramassé par terre. Assez utile quand même. Allez, moi je suis resté. Là on peut voir des petits mots de débouffier. Mais plus vous tapez dessus, plus ils ont de chances de le perdre. Donc on va aller plus vite. On va essayer de trouver la caisse vite fait. Et une fois que ce sera fini, on arrête là. Bon, à noter que quand même le barbare a beaucoup de bourrin. Le sorcier, j'imagine. Vu que c'est que du corps à corps. Hein. Donc moi pour l'instant je ramasse tout, mais je suis pas obligé. Hein.
Donc hop, là j'avance, où c'est que je vais aller? Je sais pas où je dois aller. Ah, voilà, ça c'est pas mal. Ça. C'est des monstres élites. Donc ils ramassent, ils donnent plus de trésors que les ennemis normaux. Donc je crois que je vais finir la vidéo par mon level up et après bah, j'arrêterai là. Ça on aura fini pour tout. Et plus tard, bon, je vous ferai des vidéos sur le jeu. Donc bon, pour l'instant, c'est pas là ma quête. On va. Je vais juste voir que ça donne le niveau 10 pour voir que ça me débloque. Comme ça, on verra ensemble ce que ça donne. Savoir que ça me donnera peut-être pour identifier, ou peut-être que c'est un autre endroit, faut que je regarde sur internet pour savoir comment identifier. J'essaie d'évaluer le nombre de nos victimes. Car pour l'instant, je ne sais pas du tout comment identifier. Là, on peut voir quand même que ces donjons-là sont bien plus sympas que les petits donjons habituels. Et c'est ça qui fait l'élément le plus intéressant du jeu. C'est les gros donjons comme ça, et que se balader dehors, c'est pas très très intéressant. D'ailleurs, j'ai essayé de vous montrer le dernier sort que je vous ai pas montré, le 2. Ça me grappe les deux. Hop là, voilà. Comme ça, je prends tout. Obligé de prendre. Ah voilà, niveau 10. Je vais faire juste. Une nouvelle compétence. Donc niveau 20, je pourrais pas l'avoir, ça c'est sûr. Donc une compétence passive. Alors, le chance de trouver une gobe de vie sera augmenté de 100% plus et vous rendre 100% de vie supplémentaire. Les deux. Machin, ok. Ça, ça a l'air plus intéressant déjà, quand même. Donc, j'ai débloqué quoi? 17, 9, pas top. Donc, pour l'instant, on va regarder ça comme ça. Et je vais regarder juste le menu avec vous avant de quitter. Donc, un petit temps d'attente. C'est comme tout truc, c'est pour que le serveur il voit bien que vous êtes parti. Alors, est-ce que je peux changer de difficulté? Non, je peux rien changer. Et ça ne change rien. Donc je vais juste quelque chose, ce qu'on peut faire. Non, on peut pas changer de difficulté. Donc ben voilà pour Diablo 3. Je vous montrerai plus tard plus de gameplay sur d'autres personnages. Donc il me reste à voir pour vous le féticheuse et chasseur de démons. Et d'autres, je m'en rappelle plus par cœur. Et le moine, je vous montrerai. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, vous verrez ça. Donc peut-être à la semaine prochaine, et en même temps, on pourra voir aussi un petit aperçu de Diablo 2. J'espère que ça vous plaira. Allez, ciao ciao !